Re le stream, salut YouTube, on se retrouve pour un nouvel épisode de cette aventure incroyable qui est finalement un let's play plus qu'une session de découverte. Hein. Au bout du septième épisode, on pourrait se poser la question. Enfin, sixième épisode, on pourrait se poser la question. Mais voilà, on continue, là on s'en est arrêté. Je pense pas faire une grosse session ce soir. Hein. Je vais pas faire une session jusqu'à 4h du matin. Je suis fatigué, j'aimerais me coucher un petit peu plus tôt que d'habitude. Donc voilà, on va essayer de faire une petite session à durée respectable, un épisode en une seule partie. C'est possible. Et pour résumer, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? On avait changé de saison un petit peu prématurément, du coup. Je m'y attendais pas. Il pleut, c'est vrai. C'est vrai que j'avais complètement omis le détail qu'il pleuvait ce jour-là. On a bien avancé avec la Léa qui, du coup, a 6 cœurs. Elle a 6 cœurs. C'est cool. C'est cool. On a bien avancé. On a bien avancé. Mes arbres fruitiers. Oh, bah tiens. Yes, la récolte. On va du coup regarder ça si on en a besoin pour. Bon, ça visiblement ça a l'air de pousser. Hein. Donc finalement c'était peut-être pas foutu. Ok, donc on va prendre le bon pli. On va vérifier si j'ai besoin. Ah, il me faudrait des. Ah oui, t'as l'épisode 4. Bah oui, parce que forcément, en plus, je fais les épisodes en deux parties la plupart du temps. Donc, ouais, effectivement. Mais bon, on en est qu'à l'épisode 6. Donc, finalement, tu n'as loupé que un épisode en deux parties. Il s'est passé beaucoup de choses dans l'épisode précédent. Il s'est passé beaucoup de choses. Mais bon. Ça reste un jeu chronophage. Franchement, tu prends la progression à n'importe quel moment. Je pense que dans tous les cas, t'es happé par l'univers et le délire. Ah oui, c'est vrai que ça me demandait masse de thunes. Ok, donc visiblement j'ai pas besoin de. Je sais pas ce que. Je fais l'américain là. Non, vous savez quoi? Je vais. Vu que ça pousse pas en. Vu que j'ai besoin d'argent et que ça pousse pas en longtemps. On va tout vendre. Ah ouais, non, mais au fur et à mesure, ouais. C'est vrai que. De toute façon, l'aspect minimaliste 2D, ça freine toujours. Mais c'est vrai que quand c'est bien. En fait, en parallèle, je pense à The Escapist 2. Que du coup, dans l'idée, je trouve génial. Mais même l'aspect 2D, mignon et tout, ça rajoute un petit peu de piment. Mais honnêtement, j'aurais préféré un jeu style The Escapist, mais pas 2D. Pas 2D. Parce que je trouve qu'en fait, The Escapist 2 est trop complet, trop complexe. Et l'aspect 2D, le problème c'est qu'il te freine trop. Alors que ce Stardew Valley se prend pas la tête, est complètement décomplexé, mais finalement réussit à clamer ses propos de manière accessible. On peut mener l'aventure de n'importe quelle manière qu'on veut, on peut arriver à faire quelque chose. Mis à part si on fait vraiment n'importe quoi, on arrive à quelque chose. On peut passer toute une année à faire que pêcher parce qu'on se dit c'est bon, j'ai pas envie de me prendre la tête, je vais juste pêcher, juste planter 2-3 navets comme ça, histoire de juste gagner ce qu'il faut en argent pour survivre. Ça le fait. Alors que dans The Escapist 2, le problème c'est qu'il faut batailler, il faut connaître des trucs de ouf et tout. Alors que là, honnêtement, même sur un premier jet, sans trop de notions particulières, c'est gérable. Bon, alors après, heureusement que j'avais déjà quelques notions avant de me lancer dans cette aventure, ce qui m'a permis, malgré le fait que je sois en anglais et que je comprenne pas tout à l'exactitude, de faire le taf. Mais voilà. Du coup, regardons un petit peu où. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Ouais. Ah, très bien. Je suis bien partant pour péter un peu de bois. Attends, comment on va faire ça? Parce que le problème avec ces arbres, c'est que. Voilà.
Faudrait que je continue l'allée d'ailleurs. Je continue cette petite allée. On va faire ça. Je vais finir de péter ces arbres. Mais franchement, ouais, c'est le genre de jeu. Mais c'est comme Minecraft, hein, finalement, même si on n'aime pas, on tombe devant une game de Minecraft, que ce soit du survival ou du PVP, ou enfin, on regarde. C'est maladif, en fait. C'est le genre de jeu, ça paye pas de mine, mais finalement, ça... Je préfère largement me taper genre tout un let's play sur ce genre de jeu que de me taper un best-of de 10 minutes de... Jean-Michel, j'ai 10 millions d'abonnés sur GTA ou sur Fortnite quoi. Enfin, après c'est vrai que c'est répétitif, c'est on se lève machin, il y a 4000 trucs à faire, c'est le stress et tout, c'est on court partout, au secours, je suis dans la merde, qu'est-ce que je fais, que je plante machin. Enfin, mais voilà, c'est ça qui est bon aussi, c'est qu'on a toujours un truc à faire. Et qu'il y a des rebondissements, mine de rien. Parce que dans l'épisode 5, il y en a eu des rebondissements. Il y en a eu dans les épisodes d'avant, mais c'est vrai que l'épisode 5 a été fort en rebondissements. Bon. J'ai fait un petit peu de bois. On va prendre les cailloux. Ça, on va le dropper. Le charbon, on n'en a pas besoin. On va le dropper aussi. Non, et puis bon, ce qui est cool, c'est avec ce jeu-là, je le disais la dernière fois, c'est que bah, quand ma voisine est là et quand je peux pas trop me permettre de brailler et tout, dépasser 22h30, 23h, bah, ce qui est cool avec ce jeu, c'est que je peux quand même... je peux quand même vous animer un petit truc sympa sans en faire des tonnes et... Et c'est cool. Alors. Je suis curieux de savoir à quoi ça ressemble ça. Je suis curieux de savoir à quoi ça ressemble. C'est pas dégueu. Ma foi, c'est pas dégueu. On va en faire comme il faut. On va peut-être faire aussi chemin de gravier. Hein. Voilà, on va faire ça comme ça. Le reste, on va le dropper. Alors, hop. Hop. Merde. J'ai pas pris de bouffe avec moi. C'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre un petit peu de bouffe. Si jamais je décide de partir en vadrouille. Oui, parce qu'il faut les retrouver, les 1, mine de rien. Ben, le truc, c'est que je me suis réparti des coffres, en fait, pour bien répartir. Bon, attends, on va faire ça proprement. Ça, pour l'instant, je pense pas qu'on en ait plus besoin. Ah,
Ouais, en plus il est 11h50. Je suis en train de déconner. C'est pas grave. Ah. Voilà. Oui, alors là je suis en train de faire le con. Je suis en train de faire le con, pourquoi? Parce que j'avais dit que... Est-ce que je peux enlever? Je peux pas enlever. Si je peux enlever. Ouais, j'avais dit que je ferais un... Oui, bon. Hein? Voilà. Parce que, à mon avis... Je m'embrouille un petit peu, hein, mais c'est juste que... À mon avis... Bon, c'est pas grave. On prend le temps de mettre tout ça en place là, parce que c'est terrible. Ne vous inquiétez pas, tout est calculé, hein. Parce que je pense à plus tard. Alors, juste, je vais mettre sur la map pour que vous voyez à peu près de là où je veux en venir. En fait, sous la maison à droite, je prévois de d'étaler en fait le champ en fait que j'ai placé. Donc le champ en haut à gauche de la maison, on va l'oublier. Celui-là vraiment, voilà. De toute façon, j'ai arrêté de planter. Peut-être que je planterai des arbres fruitiers à la rigueur, vu que visiblement, faut pas les entretenir. Ça peut être une solution à voir après avec les agrandissements et compagnie pour plus tard. Des arbres fruitiers, j'en ai déjà planté, mais plus en dessous encore. Je peux éventuellement prévoir des doublons de ces arbres fruitiers-là, donc en retrait, donc sur la droite, et plus en dessous. Et donc en fait, ça ferait le lien en fait entre les arbres fruitiers qui se trouvent en haut à droite de ma position jusqu'à là, cette rive-là, étaler un champ et finalement faire une transition avec mon petit chemin, ma petite allée, ben justement d'arbres que je suis en train de planter, pour justement passer d'un champ à l'autre, en passant par là. Comme ça, j'aurai deux points d'eau. J'aurai un point d'eau ici et j'aurai le point d'eau là-bas, ce qui me permet de mieux gérer, entre guillemets, de mieux jongler entre les champs plutôt que d'être en haut à gauche de ma maison, là où je n'ai pas de point d'eau. Alors je pourrais éventuellement construire un puits aussi pour mieux me répartir aussi la gestion de temps par rapport à la prise d'eau. Mais pour l'instant, je pars du principe que je ne construis pas de puits. Peut-être plus tard pour faire des en plein milieu là, pour essayer de pas trop perdre de temps, faire des allers-retours. Mais c'est pas pour l'instant. Donc là, je prévois à peu près le truc comme ça, à voir comment ça se goupille. Peut-être que ce chemin-là, finalement, on va complètement l'oublier, que voilà, rien ne se fera comme je l'avais prévu au départ. Mais on verra. On verra, on verra. C'est pas définitif. Ce qui est cool, c'est qu'on est, voilà. On peut enlever le gravier, admettons, et remettre autre chose, ou voilà, répartir autrement. Salut! Ah, très bien. Oui, alors non. Bon, elle veut pas me parler. Ok. Donc, direction la ville. Direction la ville. Faut que je fasse péter la géode rapidement. Enfin, les géodes, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je gardais le seau. Hein. Bon, ok. Donc je me suis un petit peu embrouillé. Hein. C'est la première journée. C'est toujours un petit peu. Toujours un petit peu compliqué de s'y remettre. Donc on avait vu aussi que le saut amélioré, c'était quand même bien sympa. Les géodes. De la glaise, super. La malachite. Malachite que j'ai déjà donnée, donc je peux me permettre de la garder cette fois-ci.
Est-ce que j'aurai le temps de passer au magasin? Ah ouais, mais putain, ouais, j'ai que 300, 300 balles. 300 balles, c'est pas ouf. 300 balles, c'est pas ouf. Qu'est-ce qu'on me demande ici? Red Snapper. Alors, si ma femme me rejoint dans ce let's play là, chose qui n'arrivera pas, si je fais une aventure avec Emma, ce sera une autre partie. On recommencera à zéro une autre partie. Et ce qui sera cool parce que du coup, on pourra le faire en français, tout ça, ce sera peut-être plus RP au niveau des dialogues, etc. Mais normalement, il me semble que je peux me marier avec. Et je peux avoir des enfants avec, avec ma femme, enfin, du moins avec Emma qui me rejoindrait dans la partie. Il me semble que c'est possible. Si je dis pas de conneries. Si je dis pas de conneries. Bon, on va faire une petite journée tranquillou. On va pas se prendre la tête. Rien à ramasser. J'ai pas encore su crafter les graines de saison. Oui, il y a encore le. Oui. Il y a encore l'engrais. Ah bah nickel. J'avais pile poil ce qu'il faut. J'avais pile poil ce qu'il faut. Ah mais du coup vu que ça peut faire de la peinture verte, peut-être qu'en la donnant à Léa. Ouais, je suis sceptique. Je suis sceptique. Voilà, qu'on fasse un truc un peu stylé, quoi. Merde. Oui, voilà. Au pire. Au pire. Voilà mes plantations d'arbres. Et le paratonnerre que j'ai placé là. Que j'espère que ça va me rentabiliser des batteries. Il y a de l'orage. Peut-être s'éloigner. Hein. Rentabilité, tu as trouvé ce qui était mieux pour potager. Et ben pour l'été, automne, je dirais que c'est le maïs qui pousse sur les deux saisons. Après, je pense que les arbres fruitiers aussi font très bien le taf, mais le problème c'est que les arbres fruitiers ça coûte énormément d'argent. Et c'est pour ça que j'ai si peu d'argent aujourd'hui en fait, c'est que j'ai fait l'américain. J'ai clairement acheté tous les arbres fruitiers possibles, sauf que j'en ai un de chaque. J'ai réussi à en avoir un de chaque, mais c'est juste. C'est la merde. C'est la merde parce que du coup je me suis niqué toutes mes thunes. Et donc j'ai entamé la nouvelle saison avec 6000 ou 7000 balles, je sais plus. Début de saison compliqué du coup. Surtout que je me suis écroulé au bout du. Qu'est-ce que c'est que ça à gauche là? Il y a un champignon géant.
Et ouais, du coup, je me suis écroulé au bout de. Au bout du deuxième jour d'automne, je me suis écroulé dans le jardin. Quoi? Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, je croyais que c'était un truc d'iridium. Le maïs, c'est un bon investissement. Après, il y a d'autres trucs, hein. Il y a d'autres trucs qui poussent. Alors, ce qui est cool, c'est que ça pousse et que ça reste là et du coup, ça continue de produire. Donc, tant que la saison correspond finalement à ce que t'as planté, si c'est du. En fait, c'est du continu, donc le problème, c'est que ça prend du temps. Mais quand ça pousse, c'est cool. Et je pense que pour l'été, la deuxième année, là, je vais replanter du maïs, mais en masse. Merde, qu'est-ce que je branle? La tisane, hein, faut pas l'oublier. Mais c'est quoi le truc là, à gauche là? Je suis méga curieux. Curieux. Ah, je peux pas aller. Attends. Je veux aller au bout de cette affaire. Je veux savoir c'est quoi ce champignon du cul là. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai besoin. Et genre... énorme. Mais du coup, je fais quoi avec? Je le plante ou ça se passe comment? Je suis coincé. Non, c'est bon. Oh, mais terrible! Putain, cette forêt là que j'ai plantée aussi. Bon. À moins 50 d'énergie. Ah. Ah, mais j'ai plein de trucs à planter là. Qu'est-ce que je fais de ma vie là? Terrible. J'ai plein de trucs à planter. J'ai plein de trucs à planter. Alors juste. Merde. J'avais besoin. Ouais, donc j'ai besoin d'un champignon à la con là. Vérifier que j'en ai pas besoin d'autres. À force, je vous le jure, hein, vers la fin, je le connaîtrai par cœur le truc. Hein. J'en ai besoin d'un deuxième. J'en ai besoin d'un deuxième, mais ça veut dire que le reste, je peux le vendre. Et vous savez quoi, je vais le garder parce que je suis quasiment sûr. Je suis quasiment sûr que ça peut servir. Allez-y. Attends, faut que je replace tout ça pour demain. Allez, on va dire ça comme ça. Allez, c'était vraiment au ras des pâquerettes, hein.
Mais faudra que je replante un peu. Merci Eisenhark pour le follow. Merci beaucoup. Putain, je vais faire toute ma vie du Stardew Valley. Ça marche. C'est l'avenir de Twitch. Ah, ça y est, il faut arroser. Il faut se bouger le fion. Très bien. Voilà. J'ai arrosé mes cailloux. Je suis content. Très bien. J'adore. Pas des trucs à récolter là? Impressionnant. Eh, c'est pas, il est pas dégueu mon champ. Hein. Faut pas déconner. Hein. En vrai, admettez qu'il est pas dégueu. Ah mais je suis kiki ou ça se passe comment là? Ah oui, j'ai amélioré. En fait, voilà, c'est j'ai craft le, j'ai upgrade le seau, enfin l'arrosoir en cuivre. Il a fallu calculer sur 2 jours. M'abstenir finalement de celui-ci, ce qui a été compliqué. Donc je me demande en faire ce que ça donne du coup, si c'est pas rangé de 5. Si c'est ça, c'est propre. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas si le faire c'est le maximum. Déjà, je ne savais même pas s'il y avait un upgrade au-dessus du cuivre. Et c'est en emmenant un nouvel objet, un objet upgrade en cuivre, que j'ai vu qu'il y avait le fer au-dessus. Mais le problème, c'est que pour avoir du fer, c'est super dur. Enfin, moi pour l'instant, j'en ai looté que j'ai à peine eu de quoi faire un lingot de fer. Ce qui m'a, ce que j'ai, enfin, qu'en plus de ça, j'ai utilisé pour le centre communautaire. Donc, alors que l'or, j'en ai relooté quoi. Enfin, de l'or, j'en ai relooté. Bon, pas forcément en masse non plus, mais j'en ai looté quoi. Bon, alors les aubergines. Au pire, est-ce que j'en garde quelques-unes de côté? Alors, ah oui, les melons la dernière fois, j'ai tellement déconné avec mes melons aussi. Il m'en faut une. Faut une aubergine. Et ben, j'ai envie de te dire, pour l'instant, on vend. Oui, ça au pire, j'en garde 3. Sinon, on vend.
Ah oui, bon, bah les fraises, putain, les fraises. Quelle histoire! Pourquoi me reparles-tu de ça? Les fraises. Quel enfer. Putain de fraises. Bon, en compensation, bientôt j'aurai la fraise de l'air. Mais terrible. Sombre histoire. Oh, genre, elle a mis des. Hello? Ah, elle aime bien décorer, elle. Bon, déjà, klaxon RSA au bar. Bon, finalement, je constate qu'un klaxon RSA aussi à la foire fouille. Pour des décorations cheapos d'Halloween. Bon, qu'est-ce que je vais faire avec mes 980 balles? Est-ce que je replante Je pense que ça, c'est la sécurité. C'est un revenu. C'est un revenu stable. Il y aurait ça aussi. Où je refais des quelques plants de citrouille. Allez, quelques plants de citrouille. Fuck it. Oula oula, les Totally Spies. Bon, Laurel, peut se gratter, hein. Eh ben dis donc. On peut pas ramasser. Alors, le tout est de savoir où est-ce que je drop tout ça. Normalement, j'en ai un à dropper ici. Oui. Voilà. Et où est-ce que je drop l'autre? Ça va commencer à être un peu compliqué. Hein. C'est pas là. Ça se complique cette histoire. Est-ce que je vais planter mes citrouilles ou est-ce que je fais un saut à la mine? J'ai envie de vous dire. Et là. Ah, quoi? Ah merde, elle disait qu'il faisait trop froid pour faire je sais pas quoi. Et qu'est-ce que tu penses que je dois faire aujourd'hui? Que je devrais faire. Voilà. Arrête d'être d'être un bébé, enfin arrête de geindre, connasse, voilà. bon, vas-y, relaxe-toi, il y a magazine. Ouais, vas-y, c'est bon. Toi aussi, va toucher le RSA et. Enfin, pour toucher le RSA, faut qu'elle travaille. Je repartirai sur une nouvelle rangée. Ben, très bien. Bon, on part du principe que je plante autour de l'arbre. Hein. Je sais pas si ça fait quelque chose, mais. Mais je le fais.
Ça se trouve, je vais complètement niquer l'arbre. Nickel. Ah nickel. Franchement, j'adore quand tu fais ça. Ok. Et le chat, je vais donner à boire? Pas du tout. Bah oui, t'es content. Bah oui. Eh bah tiens, mais je vais planter mes arbres. Tant qu'on y est. Qu'on y est, je vais planter tout ça. Voilà. Ok. Donc faisons ça bien. Bon, ici on va dire que c'est en stand-by. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah mais c'est... Ah ok, donc en fait ici, en fait là, ça, ça, jusqu'à là, c'est des arbres fruitiers. Donc on peut partir du principe que mon champ... Ouais, ou que je peux faire... Je suis en train de réfléchir à comment je vais faire tout ça. Est-ce que je suis pas dans l'erreur avec mon allée à la con? Est-ce que je ferais pas une allée descendante? Comme ça? Pour clac, virer ici. Alors, l'arbre fruitier pousse au bout de 28 jours et rapporte des fruits en fonction des saisons. Là, j'ai deux arbres normalement qui sont censés me rapporter des fruits à la fin de saison. Ça va vraiment gratter sur la fin de saison. Et après c'est l'hiver. Donc là je vais attendre du coup l'été d'après. Putain, je suis complètement en... Alors je sais hein, je suis pas productif du tout. Mais je suis en pleine interrogation de savoir ce que je fais. Bon, et ben de manière temporaire. Voilà, on va faire une allée comme ça. On va faire une allée comme ça. C'est quoi, c'est une graine plantée ça? Ouais, parce que peut-être que finalement je vais faire ça différemment. Bon, c'est planté, c'est comme ça, on verra bien. Ça me fait un chemin temporaire. Ouais, je peux peut-être éventuellement faire un délire comme ça, ouais. Attendez, c'est important. C'est pour l'avenir. L'avenir de cette aventure. Faut que ça ressemble à quelque chose. Ouais, et puis tout le reste. Ouais, je sais tout. En fait, le chemin, il va, à mon avis, va sauter. Le chemin va sauter. Je vais laisser pousser pour l'instant. Je laisse pousser pour l'instant, mais le chemin va sauter. Et je vais faire une allée plutôt devant mes arbres fruitiers. Voilà, comme ça, je remonte ici tranquillement. Quitte à laisser peut-être même une marge ici. On va être vraiment de faire une ligne droite comme ça.
claque et je renquille là. Comme ça me donne sur les autres champs. Comme ça, tout le bas, je m'en occupe aussi pour un autre champ. Ou pour des fruits, ou j'en sais rien. Ou des bêtes, on verra. Ouais, ça semble plus logique. Ça semble plus logique. Bon, pour l'instant, je laisse comme ça. Mais voilà. Le projet, c'est de tout rebouger. Bon, allez. Voilà, là on va dormir, on va faire une vraie journée. Ok, bon. Demain on arrose le champ. Et vu que je suis à Seeker avec Léa, est-ce que j'ai eu l'événement des Seekers avec Léa? Peut-être. Peut-être qu'il y a deux événements d'ailleurs, j'en sais rien. Attendez. Manœuvre compliquée. Ah, je suis très fatigué, mine de rien. Très crevé. Pas beaucoup dormi. Allez. J'ai eu 1000 balles. On va commencer à garder l'argent. À faire. Oh putain, je suis complètement de travers. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bon, allez, hop. C'est parti. Non, pas du tout. Va faire ça comme ça. En fait, les vignes, faudrait les mettre. Je sais pas comment on pourrait les répartir pour que ça soit rentable finalement de les gérer. Parce que là, c'est cool. Finalement, elles prédéfinissent elles me font une sorte de. Bah, de barrière quoi. Par contre, c'est l'hiver. Hein. J'espère qu'il y a des trucs qui poussent l'hiver. Hein. Sinon, ça va être très compliqué cette histoire. Hein. Mais merde, arrête tes conneries. Mais pourquoi il... D'accord, donc vraiment, quand je suis au bord de l'eau, il veut pas. Musique sympa. Oula, mais ça a produit ou ça a pas tardé là? C'est les cranberries là. Hein. Putain, le maïs! Le maïs à récolter. Non, c'est pas. C'est pas encore arrivé à maturité cette histoire. Putain, trois corbeaux. Hein. Mes pires ennemis, ma némésis. Je fais ça n'importe comment. Voilà, bien joué. Putain, niveau de l'énergie, c'est pas la folie, hein. On donne au chat et on est bon. Bon, on va peut-être se bouger le cul aujourd'hui, hein.
Ce serait pas mal, hein. Ce serait pas mal. Est-ce que je garde du maïs? Est-ce que je dois faire un cadeau à Léa d'ailleurs? Eh bien oui, ben, on va lui donner du maïs. Attention, c'est The Cadeau. Je déconne pas. Hein. Et ben, on va lui donner un maïs. Allez, Zou. Profitons de ce chemin tant qu'il est encore là. Non, mais en vrai, l'idée est stylée, je trouve, de faire une allée d'arbres. Au lieu de faire des clôtures et tout, de faire que des arbres. Et vraiment, au pire, quand j'en ai besoin, en fonction des années, je les pète et je les remplace. Je les remplace par. Par un truc à poser. Genre du raisin ou. En fonction des saisons, quoi. Très bien. Tiens, cadeau. Oh putain, 7 coeurs. 7 coeurs. 7 coeurs. Bon. La force est avec moi. Mais finalement, il n'y a pas besoin de se prendre tellement chou avec les cadeaux, hein. On peut offrir des cadeaux du schnapps tant qu'on a à peu près capté le feeling de la personne. Bon, il y a des exceptions, bien évidemment. Mais tant qu'on a à peu près pigé comment ça fonctionnait. Je pense qu'on va faire un tour à la mine. On va aller faire un tour à la mine. Non, l'argent, je vais le garder pour l'instant. Je crois que j'en ai en plus. Je crois que j'en ai à la maison. Mais j'ai la flemme. J'ai la flemme. Bon, c'est parti pour la mine. Je suis chaud. Et du coup, oh! Ah, mais ça change tout. Il me fallait de ça pour crafter le. Les graines du cul là. Oh, quelle vie. Bon, allez, on vise le niveau 40, même si à mon avis, ça ne se fera pas. Ah, c'est vrai que je vois rien dans ces étages du cul. Très bien. Parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai plus d'énergie en fait. Et revivre le moment où je tombe dans le donjon et que finalement je me réveille au Plumard parce que des sbires de Joja Cola m'ont retrouvé là-dedans. Non merci. Ah, j'ai pas beaucoup d'énergie. Je sais pas si ça va être faisable de faire le niveau. D'arriver niveau 40. Je crois pas. Hein. Sérieusement? On voit rien. C'est pas que vous. Hein. C'est pas votre écran, c'est. C'est normal. Me dis pas, faut que je pète tous les cailloux de la pièce, hein, parce que là, je vais m'énerver. Et ben, visiblement, si.
c'est cool parce que je vois rien. Ah putain, c'était devant mon nez. C'est d'accélérer un petit peu parce que sinon on va pas y arriver. Putain, c'est relou, hein. Ah, est-ce que je joue la facilité ou est-ce que j'explore? Oh putain, petit champignon. Énorme. Mais je sais pas du coup, j'ai pas fait gaffe si les champignons, j'en avais tiré quelque chose. Ah, mais... J'arrête de me faire toucher comme un débutant. Ouais bon ok, allez on descend. Parce que vu l'heure... Ouais, le maïs, c'est pas ouf, hein, pour en énergie. J'ai connu mieux. Je vous avoue que des fois, je tape au pif, hein. Putain, sérieux, allez. J'ai deux niveaux encore à faire là. Qu'est-ce que c'est que ça? L'améthyste. Putain, et ça rapporte rien ces zombies de merde. Viens là. Allez. On y croit. Hein. Yes, du fer, mais ouais, mais bon, putain, mais le fer quoi, la ressource la plus rare du jeu. Bon, je sais qu'il y a une échelle là, c'est cool. Soyons un peu gourmands. Allez, allez. Yes.
Ah oui, la fronde. J'avais complètement zappé ça. Mais il y a encore. Ah ouais? Il y a encore des trucs? Oui, non, mais alors attends. C'est l'arnaque du cul. Non, mais c'est l'arnaque du cul. Clairement. Oh, du fer. Génial. Je sais qu'il y a du fer ici, quoi. Ça défonce. Je sais qu'il y a du fer ici, donc. Donc c'est rare d'en avoir jusqu'à atteindre le niveau 40 de la mine. Cool. On avance. On avance, on découvre et on avance. Donc ça veut dire que je vais pouvoir accélérer. Je vais pouvoir. Attends, parce que. D'accord, donc faut que j'atteigne le. Le dernier niveau de la mine. Qui est le niveau, je sais pas combien. Ouh. Ça va bien. Il me semblait bien. J'ai rien à vendre a priori. Merde, non, pas du tout. Alors attends. Parce que là, ça commence à jongler un peu dans tous les sens, hein, je suis perdu. Mais non, mais... Abruti du cul. Tac. Tac. Et ça? Pour créer des graines. Ça, je laisse là. Voilà, comme ça, je crafte les graines. Voilà. Petit trophée. Pas du tout. Voilà. Honnêtement, la fronde, je vais pas m'en servir. Je vous le dis honnêtement, le gameplay a l'air. Je pense que le gameplay est pensé pour le PC, pour console, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué et très chiant à la fois. Donc je vais m'abstenir. Ah, j'ai 4 géodes à emmener à Dr. Nosman. C'est pas rien. Allez, zou. Les tortillas. Énorme. Demain il pleut. Demain il pleut, donc je peux éventuellement repartir à la mine. Yes. Je peux éventuellement repartir à la mine. Comment ça? Alors, note à soi-même, le maïs c'est de la merde. Hein. Pour le donjon, on va prendre autre chose. Hein.
Qu'est-ce qu'on va prendre? J'avoue que ça c'était bien fumé pour tenir le coup. Ah ouais, sinon il y aurait le gâteau au chocolat. Oh vas-y, je prends ça. Fuck it. De toute façon, Léa elle aime pas les cookies, donc je pense qu'elle aime pas le gâteau au chocolat. Ouais, alors je vais quand même planter les 10 petites graines là. Du courrier. C'est la saison des blackberry, des putain, à chaque fois blueberry, blackberry, les mûres. Ouais. Les buissons en sont remplis. Je voulais en aller en chercher, mais j'ai perdu mes chaussures, forcément. Linus. Linus? Ah oui, le Crodomane. Et bah Blackberry. Voilà, j'en prends une. Et je vais lui apporter en chemin. Bon. Merde. Impeccable. Petite rangée. Nickel. Oui, bon. J'ai dit que je replantais pas, mais bon, juste pour ça, on va pas chier. Chier du cul, quoi. Je vais aller miner. Je vais aller au. Ouais. Linus, on est d'accord, c'est Clodoman. J'ai un doute. Bon, pas de quête, visiblement. Ah ouais, je vais pouvoir aller miner du fer. Ça va avancer grandement. Mes projets. Bon, j'aurais dû effectivement. Ah oui, non, par contre, attends, oui, donc. Attends, qu'est-ce que. Ah, je peux transmuter une 3 barres de cuivre en une barre de fer. C'est hyper rentable. Si, admettons, j'ai pas trop le temps et que je me fais un petit étage à la con. Tiens. Non mais c'était pas un cadeau, hein. C'était la quête. D'accord, donc la quête en fait c'était de retrouver les chaussures de Linus. C'était pas du tout de lui emmener une mûre. Super. Alors entre le maire qui a perdu son calbar, lui qui perd ses chaussures, bon je sais pas c'est quoi ce village, mais il va falloir arrêter les conneries. Hein. Viens là, toi. Oh, va falloir améliorer les outils. Mais j'ai tellement eu de la chatte de looter cette épée là. Parce que j'en ai looté plein d'autres des épées, mais c'est de la merde en fait. En comparaison, c'est de la merde.
J'en ai besoin de la géode gelée. Ah oui, mais il faut que je la ramène aussi au. Ah non! Non, non, la. Oui, non. Autant pour moi. Faut que je la pète, la géode. Oh là là, oui, ça commence. Du fer. Du fer. Je suis refait en vrai. Je trouvais ça bizarre aussi qu'on n'en loot pas du fer. En fait, c'est vraiment une Minecraft, quoi. Au début, tu lootes des trucs de merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Au début, tu lootes des trucs de merde, mais plus t'avances et plus t'améliores tes outils, plus tu peux accéder à de nouvelles ressources, quoi. Typiquement, c'est exactement pareil. Bon, on va descendre, on va. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? C'est quoi ces boules démoniaques? Ça, je suppose qu'il faut que je le ramène à Gunther, alors que j'en ai besoin pour le centre communautaire. Ah oui, non, mais ils sont vénères les ennemis là. Ah, c'est là. Ça devient rentable à partir du. Ok. À partir de là, ça commence à devenir rentable. Mais il me faut de nouveaux outils. Ça se ressent. Mais non, mais. Trou du cul. Trou du cul, man. Falloir se calmer, hein. Génial. J'adore m'en prendre plein le cul. Alors oui, les améliorations, là, les améliorations d'outils, effectivement, il va me falloir du fer. Donc oui, là ça va être hyper hyper rentable de. Ça va être hyper rentable de farmer ces spots-là. Étant donné que visiblement il y a pas mal de fer. Donc là je suis. Bon, de toute façon là j'aurai pas le temps de toute manière d'aller d'aller voir le forgeron là pour qui me donne mes upgrades. Mais je pense que demain effectivement. Ah, j'aurai pas assez de fer. Il faut 5 barres de fer, je crois. Il faut 5 barres de fer. Je sens que tu poses beaucoup de questions parce que dans pas longtemps tu vas acheter le jeu et tu vas dire ouais j'ai regardé tes vidéos et ah putain j'ai acheté le jeu du coup et terrible. Terrible. Ah, j'aurai jamais le temps d'aller j'aurai jamais le temps d'aller Oh. Oh mais oui. Oh mais oui! Effectivement! Ah, The Witcher, moi faut que je m'y remette à The Witcher. Terrible.
Bon, j'ai encore de la marge hein, avec les. J'ai encore plein d'épisodes à envoyer. Mais ouais, faudrait que je m'y remette. Oh, bah j'ai les slimes pour le centre communautaire maintenant, du coup. Je sais pas si le musée sera encore ouvert. Je vais peut-être pas avoir le temps. D'ailleurs, j'ai pas du tout croisé Léa. Bah nickel. Ah, mais du quartz, fallait en donner aussi. Ah bah nickel. Bon, et Léa, du coup, elle est où? Ah, mais je suis con, mais oui, les upgrades, je peux les faire vu que je peux convertir le cuivre en fer. Mais quel con du cul! Attends, elle est pas au saloon par hasard? Ben si. D'accord. C'est bien de donner des petits conseils pour trouver les champignons. Ça tombe bien, j'aime pas ça. Ce serait ouf que les PNJ, eux aussi, viennent de temps en temps nous parler et essayer de capter nos habitudes et nous donner des cadeaux. Et qu'on puisse sélectionner si c'est vraiment des trucs qu'on kiffe ou si c'est des trucs qu'on kiffe pas ou vite fait. Ça serait super marrant. Que du coup il y ait vraiment un. Qu'on se renvoie la balle en fait au niveau affect avec les. La vie qui fit son cours finalement. Ah, mais en fait il y a plein de murs partout, je suis vraiment un con. Ah, je suis full. Oh, je suis full. Ah ouais. Je vais recraft des graines. Je me refais une petite rangée, c'est bon, une petite rangée. Ça passe voir. À l'intérieur, on va dropper. Oh, les murs! Est-ce que je me laisse des murs de côté? Un petit peu. Oh ouais. Tame. Alors, les slimes. Voilà. C'est le bordel, hein. Je comprends plus rien à ce qui se passe dans mon inventaire. Ça, j'en ai besoin pour le centre communautaire. On va déposer ça parce que je pense pas pour l'instant que je vais pouvoir en recraft. Donc je peux convertir le cuivre en fer et ça
C'est une très bonne nouvelle. Bon, après, c'est gourmand en ressources quand même, hein. Et c'était 5 barres de. Ah oui, mais il faut la thune aussi, en plus des lingots. Ouais, bon, ça va attendre. Les upgrades vont attendre. Oui, non, ça va coûter trop cher. Ah, mais oui, non, mais je m'emballe hein, en disant que j'avais crafté les machins, mais j'ai pas le champignon. Trou du cul. Je n'ai pas le champignon. Donc finalement, ferme-la. Oui, non, finalement, voilà. Je suis juste un con et tout va bien, quoi. Voilà. Allez, hop. Et je pense. Ah, peut-être que. Ah, mais voilà! Non. Pas du tout. J'avais pas du tout capté ça, mais non. J'avais pas du tout capté. Ah ouais, mais le champignon quoi. Ou alors je vais du côté de chez Léa pour voir si je peux en choper un. Vas-y, on va faire ça. Parce que ce serait pas mal de pouvoir replanter vite fait là. Enfin, là on voit rien. Donc, avant de trouver le truc qu'il me faut. Oui bon, plan cul. Hein. Ouais, plan cul. Bon par contre c'est cool, hein, c'est la fête à la mûre. Ça permet d'en mettre plein de côtés. Pour éventuellement se refaire une petite santé dans un donjon. Au besoin. Nickel. Nickel, nickel. Ouais, finalement, le gâteau au chocolat, j'aurais peut-être pas dû le bouffer. Je me retrouve un petit peu comme un con là. Mais merde, mais pourquoi je vends pas tout ça moi aussi, Kiki? Kiki du village. Oui, allez, bon. Allez, zou. Et quelle heure? Minuit 16. Ça va. D'accord, bac du guerrier. Ah oui, ma tisane qui a refroidi. Ah mais les murs! Finalement, faut les garder les murs. C'est pas du tout rentable de les vendre. Allez.
Alors, Cherbulette, dans une semaine. D'accord, donc dans une semaine, il y a... C'est la bamboula au village. Et en gros, je peux faire en gros une sorte de démonstration de mes talents en ramenant 9 items qui me représentent le mieux. Donc je serai jugé sur la qualité et la diversité. Mais vu que je n'ai fait que de l'agricole. Déjà, est-ce que j'ai 9? Petite musique sympa. Est-ce que j'ai 9 trucs de bouffe en or? Bon après s'il m'en manque un tout petit peu, je peux toujours les cranberries. Oh putain les cranberries. Yes, et ben finalement elles ont poussé. Bah, je vais ramener de mes produits, de même d'avant et tout, des saisons précédentes. Oh le bordel du cul. Le bordel du cul. Bon, c'est bien, j'ai toujours pas arrosé. Cranberry quoi. On avait vu que les aubergines, j'en avais plus besoin pour le... Ouais, mais il me demande des trucs, putain. Ah, mais non, mais si, il me faut une aubergine! Est-ce qu'il me faut des. Bah, je pense qu'il va me falloir des cranberries quelque part. Hein. Sinon, je comprends pas. Putain, trop de trucs. Trop de trucs sur ce jeu. Des murs. Ah, mais en fait, il me faut l'équivalent de tout le bazar pour me faire les graines. Donc, une mûre. Je vais dès à présent tout embarquer avec moi. Pardon, hein, ça prend du temps, mais. Voilà, parce qu'ils vont me quasi sûr ils vont me refourguer les graines en échange. Donc autant que je les embarque d'office. Oh là 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 là, y a trop de trucs à gérer, bordel. Alors, j'en ai 4 en or, très bien. Bon, j'ai des trucs en or, c'est bon. Après, je ferai le tri, peut-être que je revendrai derrière, je sais pas. Piment en or. En or. Alors. 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7. Ça fait chier. 8. J'aurais peut-être un melon. Une citrouille. Ah ben non, c'est bon. 9, oui, 9, 10. Oh, j'ai plus qu'il faut, en fait. Énorme. J'ai pas vu si j'avais besoin des cranberries. Je crois pas, hein. Je crois que finalement j'en ai pas besoin. Trop de trucs, hein. Faut pas avoir mal au crâne, hein. Des trucs que j'ai jamais vus encore. Putain, et il va me manquer juste le. Oh putain, le champignon quoi. Bon allez, ok. Normalement on est bon. Normalement on est bon. Désolé, hein. Ça prend du temps, il est déjà 7h30, j'ai rien branlé. En même temps, quelle nouvelle. Quelle nouvelle! Attends, je rêve. Il y avait un truc là. Oh putain, ça se trouve, c'est un truc que j'ai oublié. C'est un truc que je n'ai jamais arrosé parce que je le voyais pas à cause de l'arbre. Bon, j'espère que de ramener tous mes produits cultivés avec soin. Au péril de ma vie, ça va suffire. Bon, attends, je vais ramener que des trucs en or. Comme quoi j'ai été vraiment malin de tout garder comme ça. Hein. Certains diront que je fais le rat, mais mine de rien, ça marche. Ça fonctionne. Bon, faut que j'aille péter les géodes, hein. Aussi. Je vais aller regarder la météo. Parce que si demain il pleut, je vais peut-être améliorer le saut. C'est peut-être une bonne idée ça, hein. Bon, les géodes d'abord. Ouais. Combien c'était 3? Bon, admettons. Il ne pleut pas demain. Donc, hop.
Je sais pas pourquoi je garde. Finalement, je sais pas pourquoi je garde du coup le. Pff, je m'embrouille, hein. Mais pourquoi je fous ça là-dedans? Mais que. Bon, au pire, c'est pas grave, hein. Nickel. Je perds du temps. Bon, on a du taf. Beaucoup de taf. J'en ai pas. Alors, il demande pas mal de choses qu'effectivement on peut faire pousser dans la saison, mais c'est pas parce qu'on peut que forcément on doit le faire. C'est ça qui est bien avec ce jeu. Qu'on n'a pas vraiment d'obligation. Enfin, au début du moins. Super, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Du basalte. Ok. 20 cuivres. Ouais, ça sent le saut à la maison. Oh! De l'alamite. Ok, donc. Des petits dons au musée. T'as sérieux, faut que je trouve le champignon, quoi. Y a pas moyen de déposer là, bordel du cul. Ah si. Non, arrête. Connard. Je vais y arriver, hein. Je vous le jure, je vais y arriver. Pourquoi il veut pas? Bon, nique. Léa. Léa. Elle est là. Nickel. Bon, mais parfaite, cette nana. Alors, oui, je traduis pas, mais c'est vrai que. C'est là. Déjà que, voilà. Déjà que quand je pars dans mes délires et que faut faire ci, faut faire ça, machin, c'est. C'est juste du temps de ouf. Si en plus, je commence à. Je dois me lancer dans les traductions, ça va durer trop longtemps. Ouais, donc finalement pas très productif aujourd'hui non plus parce que. Je sais plus où je dois donner. Hein. Non. Mais non. Alors là déjà. Voilà. Et il manquera plus que le champignon, j'espère en recroiser, mais de toute façon j'ai planté des graines, donc a priori peut-être que j'en aurai. Bon, il manquera plus que la citrouille. Je suis peut-être pas obligé de repasser par la maison. Hein. Si c'est pour miner vite fait. Mais attends, mais c'était une géode qu'il voulait, lui?
Eh ben, j'aurais dû lui emmener. J'étais convaincu que c'était la petite. Eh ben, je suis vraiment un trou du cul. D'accord. Bon, c'est pas un... fantastique, mais c'est pas mal. Oui, bon, finalement, on va aller, on va faire un saut direct au. Oui, on va faire un saut direct à la mine, hein. On va pas batailler, hein. Au pire. Au pire. Putain, du coup, je t'ai convaincu d'avoir besoin de ça. Et du coup, je sais pas si je les vends, ça. C'est ça qui m'intrigue aussi. Je sais pas si je les vends ou si je dois les garder pour des crafts chelous. Oui, mais les murs, les murs. Bon, lui il râle parce que la citrouille par-ci, la citrouille par-là. Bon, si je loot une géode à la con là, faut que je lui redonne. Hein. Bon, 40 ou 45 du coup? 45, soyons fous. Ah ouais, non mais les murs, c'est trop rentable en vrai. Quelle vie! Que je fasse l'américain, il est 4h50 déjà. Hein. Ah bah tiens, c'est bon, je l'ai eu, sa putain de géode de merde. Nickel. Allez, venez là, vous, les boules de l'enfer. Hein. Aquamarine. Eh ben super, je ne sais pas ce que c'est. Putain, mais c'est ouf. Je découvre un tout nouveau monde. Du jade. Mais non, mais dingue. C'est Gunther qui va être content. Ah, ding ding dong. Ok, très bien. Mais dingue! Ce qui m'emmerde en fait, c'est que je. Le truc, c'est que je lui file une géode. Très bien, mais ça se trouve dedans, il y a un truc du cul. Il y a un truc fumé, un diamant. C'est ça qui m'emmerde. J'aime bien partager, mais j'aime savoir ce que je partage.
Non mais... D'accord, ok, des géodes tous les 2 mètres, c'est bon quoi. Putain mais c'est dingue, c'est quoi ces étages de ouf là? Le cul. Je pense que j'aurai pas le temps. Oh yes. Bon, si je vais avoir le temps. Non mais c'est quoi tout ça? Non mais c'est des étages de ouf en vrai ça. Allez nickel, comme ça on rentre. Petit coffre. Keep stronger to warm, ok ouais. Oh nickel. Allez, on rentre. Bon, je peux déposer une géode tant qu'on y est. Mais c'est le champignon quoi, merde. Attends, quoi? J'en ai besoin aussi ça pour le centre communautaire hein. Donc ah je sais, c'est long. C'est long. Toujours pas. Bordel de cul. Voilà. Et la géode. Ah mais le fer. Là je commence à être bien bien bien. Alors super hein. Par contre je vais arriver, je vais rentrer très tard. Bon, prions pour qu'il n'y ait pas un diamant là-dedans. Oh putain. Grosse galère. Bon, je pense que j'aurai pas le temps de ranger. J'aurai pas le temps de ranger. Ouais, de toute façon, je crois qu'à 2h du matin, mon perso s'écroule. Donc dans tous les cas, je vais me taper un malus parce que j'atteindrai pas le lit à 1h du matin.
faut prier, mais à mon avis. Ouais, 1 heure. À mon avis, j'ai le malus. Donc, on va ranger tout ça. Bon, un petit malus. Mini malus. Ça, je sais vraiment pas à quoi ça sert. Ah ouais. Ah, j'ai trop de trucs à donner à Gunther là. Hein. Faut rater les conneries. Hein. Je m'en sors plutôt pas mal. Ça prend du temps, mais tant que je suis dans les menus, le temps n'avance pas, donc j'estime que c'est bon. Tous ces trucs à donner à Gunther, c'est incroyable. Allez, le chat. C'est vrai qu'il faudrait que je commence à planter de l'herbe aussi, enfin du vrai gazon. S'arrêter sur ce jeu comme ça. Là, je peux pas vous dire, allez, c'est bon, je m'arrête, salut. Allez. J'avais fait ça.
terrible. Terrible, terrible, terrible. Là, je suis pas patient. Alors, Léa. Léa, d'ailleurs, on en est où? Mais il manque un cœur finalement, et c'est vrai que je pourrais carrément lui donner. On va lui donner le mur, c'est bon. Attends, on va se remplir la panse. Voilà, on va lui en donner une. En fait, je pense que le prochain upgrade, ça va être la pioche. Parce que mine de rien, la pioche dans les niveaux au-delà de 40, dans la mine, je vais en avoir besoin. La pioche améliorée. Contente. Elle est contente. Et j'aurais dû laisser ces outils-là à la maison, terrible. Mais je pense qu'on va repéter à la mine, hein. Non, genre, je croyais que je pouvais piquer la récolte de Jean Michemuche. Putain, en fait, les murs, c'est juste dingue pour les fruits de saison. En fait, les trucs qui poussent un peu partout, faut les garder pour bouffer. C'est le truc le plus rentable du jeu. L'opale. Et en vrai, pour une première année, je trouve que le musée, je le remplis bien. En sachant que je suis tout seul. Nouvelle récompense, nickel. Nickel. Genre. Un gros nounours. Ça fait longtemps que j'ai pas pêché. C'est vrai que j'ai pas pêché de la session. Mais bon. Là on a chopé le spot ultime pour choper du fer. J'ai envie de vous dire la poiscaille. Mais c'est vrai que je loupe pas mal de poissons de saison. Et c'est vrai que je devrais peut-être aller à la plage pour éventuellement choper des poissons pour avancer dans le centre communautaire. Donc, allez, niveau 50, on avance.
épée. Ouais, faut que je l'améliore. Faut que je l'améliore. Il faudrait limite que je l'améliore là assez rapidement pour et profiter justement de la saison pour les pêcher, justement. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je crois que c'était un... De quoi agrandir mon sac. Je suis déçu. Je suis déçu. Où le bordel? Où le bordel? Me faire grande bande, mais tout va bien. Encore une épée de fer. Mais je peux pas les vendre, les armes que je trouve. Ah, je peux peut-être les améliorer. En sachant que là, l'arme que j'ai, je peux peut-être pas l'améliorer. Mais les celles que je trouve qui sont plus banales, je peux peut-être les améliorer. C'est peut-être ça le bail. Allez, viens là, toi. Oui, toujours plus, hein. Tout ça. Oh, genre, j'ai pas le choix. Quelle bande de pute. Et niveau 54, mine de rien, ça avance ces conneries. Ah, oh, mais ça saute par-dessus les mains. D'accord. Viens là, te dis-je. C'est long. Quoi? Je me permets, hein. Hein? Ah, de l'or, ok. Bon, allez. On va dire ça comme ça. Oula, oula, connard.
On va péter les mobs quand même. Et on va se barrer. Ça avance. Ben ouais, mais est-ce que je peux les vendre? C'est ça le délire. Parce que si je peux pas les vendre, je vois pas l'intérêt de les avoir. Quelle heure? 1h du matin? C'est combien de temps que je joue là? Ça fait combien de temps que je joue au jeu là? 2 heures que je lançais le live. Donc j'ai looté de l'or sur les deux sbires là, sur les deux fantômes. Mais je crois que j'en avais besoin d'un pour... J'ai un doute. J'ai un doute. Fait de la merde, j'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde. Mais évidemment que j'avais besoin d'un du... Je savais que j'avais besoin de ça. Est-ce que je peux les vendre ces épées? Putain, je peux pas les vendre, mais ça me sert à rien, bordel. Bon, ça, je suppose que ce serait intéressant de le placer. Ok, demain il fait beau. Omelette.
Eh ben voilà l'omelette. Je savais pas la faire. Bon. On va encore faire une journée ou deux et on va s'arrêter. Hein? Quoi? Quoi? Attends, il y a écrit que quoi? Le vent a fait quoi? Attends, il y a écrit que le vent avait niqué mes... Mais je sais pas quoi d'ailleurs parce que j'ai pas lu comme un con. Non mais je sais. Donc le raisin est là. Donc on va recommencer à faire rentrer de la thune et ça c'est cool. En fait, dépenser 30 000 chez le vendeur pour avoir accès à tout le catalogue, peu importe la saison, c'est hyper utile dans le sens où on veut anticiper la saison. Ne serait-ce que pour une journée. Ça y est. Ça, j'y croyais plus. Attends, tout récolter. Là, je vais me faire de la thune. Là, ça va être monstrueux. Yes, bonne nuit. Merci d'être venu. À bientôt. Très bien, inventaire plein. C'est la fête. C'est la fête. Je sais pas ce que je garde, est-ce que je garde pas? Hein.
Oui, voilà. Je vais garder un petit peu de tout. Je me fais des doublons. Comme ça, si on me demande, eh ben j'en ai. Et de bonne qualité. Alors normalement, oui non, c'est vrai, ça aussi. Mais normalement, eh ben, mais non, ben non, c'est bon, j'ai plus besoin de ça en fait. Eh ben nique. Voilà. Est-ce que j'en ai mis de côté au moins, comme un kiki? Impeccable. Merde, j'ai fait le con là. Oui, le chat. Oh là, tout le maïs. Arrosé? Non, il y a des plants que j'ai pas arrosés là. Putain, mais je déconne. Je déconne du cul là. Allez, ça devient rentable cette histoire. Ça devient rentable. Oui, c'est vrai que j'aurais pu faire ça aussi. Voilà. J'ai pas donné à boire au chat. Ce serait peut-être pas mal que je me rachète des graines. J'achète des citrouilles. Au pire. C'est cool hein, il me donne jamais de champignons, je suis un peu dégoûté. En fait, je vais les avoir à la fin de saison. Et du coup, je vais être niqué parce que je pourrais pas planter les graines. Champignons violets, mais sauf que champignons violets, j'en vois jamais. Je sais pas si une vingtaine ça. Allez, j'en prends 10 de plus.
Ce village trop parfait, quoi. Enfin, vraiment. Toutes les saisons, il y a un truc à ramasser quelque part. Du fer. Bah, nickel. J'avais pas besoin d'aller. Léa, elle est où? Ah bah très bien. Bien joué. Les murs à la flotte. Elle est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. La petite Léa. La petite Léa. Bon, où est-elle? Elle est où, ou alors elle serait chez elle en train de batailler quelque part, je sais pas où là. Suis pas trop en train de perdre du temps, hein, sinon ça va. Ouais, mais je sais pas où elle est. Peut-être du côté de chez elle. Merde. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est fermé. Bêtien. Oh, le champignon de ses morts. Ben super, hein. Et ben super. Donc je sais pas où elle est passée, hein, mais pourtant j'ai cherché, hein.
ben j'ai loupé. Donc j'ai loupé le coche. Mais je crois que. Attends, je sais plus si c'est à partir de 6 coeurs que si on va plus voir les gens quotidiennement. Il y a peut-être moyen en fait que je me fasse pas arnaquer. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ben, je peux pas. Eh ben, je peux pas. Bon, je vais planter mes citrouilles si j'ai le temps. Surtout ne pas être trop gourmand, hein. Oh, mais j'ai l'impression que c'est à moitié buggé, vu que je suis sur PS4, il y a des trucs auxquels je peux pas accéder. Si c'est ça, je suis dégoûté. Le champignon. C'était où? Yes! Et du coup, j'en ai même un deuxième. Vais pas tout planter, hein. Je vais en garder. Je vais en garder. Putain, ouais. 1h20. Je pense que je fais encore la journée. Ah, j'avais oublié. Ouais, le truc, c'est que j'ai peur d'oublier le délire de la. Ouais, non, je vais pas oublier. Je suis trop impliqué là. Je vais peut-être planter demain finalement, histoire de mieux voir ce que je fais. Bon, je vais quand même mettre de côté le coquillage là, sait-on jamais.
Ok. Vite, 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 vite. Mon seau, je l'avais déjà, bordel de merde. Paf. Oui, alors je sais, je vais pas répéter la même erreur, hein, vous inquiétez pas. J'espère. Déjà des trucs là? Bordel de merde. Ok. C'était vraiment limite, hein. La thune. La thune. Au pire, je suis tellement blindé en armure que bon, finalement, même si j'ai un malus de fatigue, c'est pas grave. Ok. Ok. Allez, on fait ça bien. Putain, mais il y avait un emplacement que j'ai pas utilisé, bordel. Ah si. Ça pour moi. C'est maladif un jeu comme ça, hein. Vraiment. C'est maladif. Enfin, ça va. J'ai juste re-rempli les trous. Tant que je n'étends pas trop ça. Faut pas que je rentre dans l'excès finalement de l'espace. Et encore bien que maintenant, vu que j'arrose en triple. Et ça rentabilise l'espace. Ah, le truc derrière là que j'ai jamais arrosé en fait, je crois. Oula, oula, l'énergie là.
Ah, faut que je me mange le cul, faut que j'aille voir Léa. Bon, normalement tout est arrosé, hein. Ok. Pire, hein. Pas très important. Pas important non plus. Pas important. Allez. Cette fois-ci, j'ai optimisé l'inventaire, ça devrait aller. Je suis en train de me demander, j'ai pas. Si, c'est bon. Ah, arrête-toi, oh putain, arrête-toi, fais une halte par chez moi si tu veux, si tu as besoin de quelqu'un avec qui discuter. Ça sent bon cette histoire. Ah, j'avais dit que je voulais améliorer ma pioche. On améliore la pioche et on va pêcher? Allez. Ah, j'ai oublié, je suis pas rentable dans mes déplacements. Je rentabilise pas mes déplacements, c'est chiant. Ah, ma petite allée, elle commence à ressembler à quelque chose, hein. Bon, bientôt on verra plus rien. Spoiler, bientôt on verra plus rien. Ça se trouve, c'est pour looter de la merde, hein. Mais ça tombe jamais. C'est vrai qu'en fait, ça, il faut tout le temps l'avoir sur soi. J'espère arriver à temps. D'accord. Bah, nickel. Je trouve qu'au niveau des quêtes, ils se sont calmés les pécores là. Combien ça va me coûter encore ces conneries là d'upgrade de pioche? J'ai eu peur. Allez. 5000 balles quand même, hein. Je crois qu'il y a des endroits qu'on auxquels je ne pourrais pas accéder. Ça m'énerve parce que du coup, ça veut dire que je vais pas pouvoir faire un 100%. Il va me manquer des trucs à faire.
Bon. On va pêcher. Une huître. Super. On va aller du côté du gars là qui vend son amulette. Je suis quand même curieux. Les cailloux, super. Ah mais il est pas là. Il est pas là. Il est pas là. Allez, petite séance pêche. Bon, par contre, j'aimerais bien looter, enfin, j'aimerais bien pêcher les trucs de saison, quoi. De la merde ici, c'est terrible. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Mais c'est nul. Bon, et Jean Michemuche là qui me vendait l'amulette, je sais pas pourquoi il est pas là, mais ça m'inquiète. Ah mais c'est ouf en vrai, avec des sardines et des anchois. Parce que l'hameçon dirait une. On dirait une super balle. Pas une journée de dingue hein, finalement. Journée de détente. J'ai pas donné à boire au chat. Je viens de me dire que j'ai pas donné à boire au chat. J'oublie trop souvent de donner à boire au chat. Albacore. Ouh, Albacore.
On va faire un saut par le centre communautaire au cas où. Si on peut dropper un ou deux poissons au passage. Ah, très bien. Je suis en train de bidouiller mon mute. Bon. Ouais, remarque, attends, on en est où? Bon, c'est bon. Ah bah c'est énorme. Bon allez, zou. Ouais, on va passer au centre communautaire, on va voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant plusieurs jours, enfin pendant au moins 2 jours, on va pas pouvoir aller miner. Mais la bonne nouvelle du jour quand même, c'est qu'on a enfin débloqué un petit peu cette histoire de fer. Parce que ça commençait vraiment à être long. Je commence à être un peu inquiet. Donc je peux vraiment toujours pas accéder au cran du bas en fait. Donc soit, en fait, insinueusement, le jeu me demande d'autres types de ressources, soit je peux pas y accéder. Eh ben j'ai pas besoin. Ok. Parle. On va vendre. On va faire de la thune. Pas un passage là? Pas du tout. Bon. Et ben on a bien avancé mine de rien aujourd'hui. La session va faire quasiment 3 heures, je m'en excuse. Je récupère ça et ça. Et... Mmh. Ouais, et les gâteaux au chocolat, on va les virer. Hein. On va se faire de la place. Hein. Hop, on bouge
ça. Pourquoi j'ai gardé les cailloux sur moi, on se le demande. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, allez. La télé. Ok. Bizarre. Alors, je sais ce que j'ai dit. Oh bah vas-y, on va s'arrêter maintenant parce que sinon je vais jamais m'arrêter. Allez, on s'arrête. J'espère que vous avez apprécié cet épisode 6 en ma compagnie sur cette aventure sur Stardew Valley. Encore une fois, voilà, première aventure, premier jet. Je me fais un petit kiff en solitaire. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est toutes les conversations, tout ça, j'aimerais vraiment attendre la VF pour vraiment tout vous faire bien comme il faut au poil. Pour l'instant, on vit l'aventure comme voilà, comme on peut, finalement. Mais hein? Ok, maman qui envoie un gâteau. Bon, de toute façon, très bien, on aura le même courrier la prochaine fois. Bref. On s'arrête là-dessus, je vous fais des gros bisous et je vous dis, je l'espère, à très vite du coup pour la suite de cette aventure sur Stardew Valley. Des gros bisous encore une fois, et bien sûr, comme d'habitude, je vous dis ciao tout le monde!